10 astuces TikTok que vous ne connaissez toujours pas, mais que vous devrez connaître. TikTok est une application comme Facebook ou Instagram qui vous permet donc de mettre en ligne des vidéos, uniquement des vidéos et pas de photos. Et donc, ces vidéos-là, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres ou des effets spéciaux directement offerts par l'application. Avec sa communauté grandissante de plusieurs centaines de millions, donc vous avez la possibilité d'avoir le buzz en quelques minutes en mettant en ligne vos vidéos sur vos petits talents cachés. Mais vous devez savoir, les camarades, qu'il y a des astuces qui sont cachées sur cette application et qui vous sera utile donc pour pouvoir prospérer et réussir dans TikTok. Je vais essayer tant bien que mal de vous montrer donc ces différentes astuces-là. Mais avant qu'on commence, je vous recommande de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mais aussi de partager la vidéo avec vos amis. Et on commence. La première astuce, c'est donc au niveau de vos paramètres. Au niveau de vos paramètres, donc, vous avez un bouton bien-être numérique. Et ce bouton-là, ça vous permet donc de limiter votre temps sur TikTok. Qu'on se dise la vérité, les gars, on ne peut pas passer tout notre temps, toute la journée sur TikTok. On a un certain moment où on a envie de rire, donc on veut suivre TikTok et donc on va sur TikTok. Mais il doit y avoir un temps limite pour pouvoir sortir de cette application. D'où l'objectif de ce bouton-là qui vous permet donc de limiter votre temps donc d'utilisation de TikTok par jour en 2 heures de temps maximum. Donc je vais vous montrer comment on peut le faire. Alors pour le faire, c'est très simple, vous allez dans votre application TikTok et au niveau de votre page, juste par ici comme moi je l'ai fait, vous allez cliquer sur les 3 points superposés en haut et ensuite aller sur le bien-être numérique. Vous allez voir qu'il y a gestion du temps d'écran. Donc là, il vous dit gérer mon temps d'écran. Lorsque la limite de temps est atteinte, un code secret est nécessaire pour continuer à utiliser TikTok. Et ça, c'est sous forme de rappel pour vous dire que vous avez atteint le temps que vous aviez désigné. Et pour désigner le temps, c'est juste par ici. Donc vous pouvez choisir, par exemple ici, je peux choisir 120 minutes qui est équivalent à 2 heures de temps. Et ensuite, cliquez sur activer la gestion de temps. Et là, vous donnez un mot de passe. Donc je vais donner un mot de passe aléatoirement, comme ça. Voilà. Et donc après il vous dit donc la gestion de temps est activée. Et donc là, si vous passez 120 minutes sur TikTok, vous devez obligatoirement écrire le mot de passe pour continuer. Et que donc vous avez perdu assez de temps sur TikTok et que donc vous pouvez passer par là et quitter l'application. Donc je profite aussi pour vous montrer une autre astuce qui est le mode restreint. Et donc cette astuce là, dès lors que vous l'activez, ça vous permet de limiter l'apparition de contenu qui pourrait ne pas vous convenir, donc ou bien convenir à certains publics. Comme par exemple des types de vidéos que vous ne voulez pas voir. Donc si vous activez cette astuce là, ça va vous permettre de ne pas voir ça sur votre page. Et donc pour l'activer, vous cliquez sur activer mode restreint et là vous allez donner le mot de passe secret que vous avez donné tout à l'heure au niveau de la gestion de temps. Et ça va venir. La deuxième astuce, les gars, donc c'est comment vous pouvez donc changer de filtre directement sans pour autant cliquer sur le bouton filtre. Pour cela, donc vous allez aller sur votre page au niveau, donc vous pouvez pivoter à gauche comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a F1, F2, F3, et vous pouvez aussi pivoter à droite comme ça et changer de filtre. Donc là, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le bouton filtre et de choisir votre filtre. Là, vous allez perdre beaucoup de temps à chercher des filtres. C'est une option qui est très cool et que je vous conseille d'utiliser. Troisième astuce, donc les gars, c'est comment vous pouvez utiliser plusieurs filtres donc dans une même vidéo. Donc plusieurs filtres différents dans une même vidéo. Pour le faire, on va aller sur notre appareil encore une fois. Et donc pour commencer la vidéo, il faut juste cliquer sur le bouton au milieu, attendre qu'il y ait une flèche donc passe en haut. Donc la flèche ne vient pas, c'est pas grave, donc je vais juste vous montrer. Là donc, si vous voulez changer de filtre, il faut mettre en pause la vidéo d'abord, ensuite changer de filtre comme je vous l'avais montré sur l'astuce numéro 2 tout à l'heure, changer de filtre et ensuite encore recliquer sur play pour play la vidéo. Donc à l'instant où vous changez de pause d'abord, ensuite changer de filtre et ensuite vous revenez pour play la vidéo jusqu'à ce que la vidéo se termine. Donc c'est comme ça que vous pouvez le faire. Je crois aussi que ça vous sera utile pour ce que vous voulez faire. Quatrième astuce, donc les gars, c'est comment vous pouvez faire des zooms directement sur votre vidéo. Donc faire sur la petite encore une fois. Et donc juste par ici, vous pouvez enfoncer sur le bouton au milieu de votre vidéo. Et donc pour zoomer, c'est très simple. C'est juste donc avancer ce bouton là en haut pour zoomer donc en avance et donc retourner ce bouton là pour dézoomer. Donc voilà, je crois que c'est très cool d'utilisation et que ça pourra vous aider sur vos vidéos.
Cinquième astuce, les gars, c'est une astuce qui est très très importante sur TikTok et que tout le monde doit connaître. Donc, c'est le fait donc de prendre une vidéo d'une autre collègue et de reproduire la même vidéo donc en utilisant le même son. Donc, ça, je peux dire que c'est la base de TikTok aujourd'hui. C'est ce que tout le monde fait sur TikTok. Et si tu ne le sais pas, donc tu ne peux pas réussir dans TikTok. Et c'est très cool, vous allez voir. Donc, prendre une vidéo, reproduire le même son et donc montrer notre image en utilisant le son de l'autre. On y va, je vous le montre. Duo, c'est très simple. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut d'abord choisir la vidéo où vous pouvez, où vous voulez mettre. Donc, on va aller choisir une vidéo. Par exemple, on veut choisir celui-là. Donc, vous avez juste qu'à cliquer sur le partager juste par ici. Et ensuite, cliquer sur Duo qui est juste par ici. Voilà. Donc, d'abord, il y a le chargement. Ça va se charger. Et voilà, il y a une vidéo là-bas, mon image, et aussi il y a de l'autre côté l'image de l'autre gars. Et donc, je peux essayer d'utiliser son son dans mon propre vidéo, et c'est très cool. Vous allez voir, dès lors que vous cliquez sur le bouton, donc enregistrer le son de l'autre vidéo. Voilà, donc je crois aussi que ça. Voilà, donc une autre astuce qui est un peu similaire donc, au duo que je vous avais montré tout à l'heure, c'est d'utiliser le son seulement et pas la vidéo. Donc, pour le faire aussi, vous pouvez choisir la vidéo. Et ensuite, allez en bas là où il a écrit le son. Donc, vous cliquez là-bas. Et donc, ça va vous amener dans le son. Donc, pour vous montrer quel est le premier utilisateur à utiliser ce son-là. Et ensuite, tout ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur utiliser ce son. Et aussi, c'est la même chose, c'est le même principe. Ça va vous amener sur une nouvelle vidéo. Mais là, il n'y aura pas l'image de l'autre gars, mais seulement son son. Sixième astuce, les gars. Donc, c'est une astuce qui est très, très cool. Donc, c'est comment vous pouvez faire des vidéos live, donc des vidéos en direct, en ligne, donc où tous vos abonnés peuvent vous voir directement et peuvent vous suivre. Et là, c'est très cool, donc vous devez savoir comment le faire. Alors, je dois avouer quand même que c'est pas tous les utilisateurs de TikTok qui peuvent faire des vidéos live directement. Donc, il faut atteindre les 1000 abonnés d'abord pour pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas signalé tout à l'heure. Même moi, donc, j'ai pas atteint les 1000 abonnés. Mais l'essentiel, c'est que je vais vous montrer la méthode pour que dès lors que vous atteindrez le seuil, vous puissiez le faire. Ok, donc, on va aller sur le bouton plus, toujours le bouton plus, pareil. Donc, si vous avez atteint le seuil, vous allez voir qu'en bas, là où il y a 60 secondes, 15 secondes et MV, il y aura aussi, donc, live en bas où vous pouvez pivoter. Donc, pivoter pour aller sur le live et ensuite cliquer sur Go Live. Et là, donc, tout ce qui reste, c'est donner un nom à votre live et commencer à admirer. Votre live et commencer à admirer. Septième astuce, les gars, donc c'est comment vous pouvez réagir à une vidéo par une autre vidéo. Donc, vous avez vu une vidéo, cette vidéo-là vous a plu ou quelque chose comme ça et que vous voulez réagir. Donc, vous pouvez réagir en faisant un commentaire, mais aussi vous pouvez réagir en mettant là-bas une autre vidéo, donc pour représenter votre réaction peut-être. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Il faut d'abord choisir la vidéo où on veut réagir. Et ensuite, cliquez sur réagir qui est juste par ici. Donc, il y a le chargement de la vidéo d'abord. On va attendre que ça se charge. Une fois que le chargement de la vidéo est terminé, donc tout ce que vous avez à faire ici, donc vous avez vu que la vidéo dont vous voulez réagir tout à l'heure est juste en haut. Donc vous avez jusqu'à créer votre vidéo et ensuite réagir à ce qu'elle a dit peut-être. Huitième astuce les gars, donc c'est comment vous pouvez créer des vidéos GIF, donc GIF, excusez-moi, sur TikTok. GIF, c'est des vidéos qui sont très courtes où il n'y a pas de son et donc c'est d'habitude certaines vidéos qu'on utilise pour des réactions et autres. On y va, je vous montre comment vous pouvez le faire. Pour créer cette vidéo GIF, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc c'est très simple, vous allez d'abord sélectionner la vidéo, comme par exemple cette vidéo-là, si on veut la traduire sous format GIF, on va juste cliquer sur partager et ensuite donc pivoter ici, pivoter jusqu'à voir GIF ici, donc partager en tant que GIF. Donc il y a le chargement de la vidéo, il y a toujours un chargement, donc il faut avoir une bonne connexion.
Neuvième astuce, les gars, c'est comment vous pouvez donc partager vos vidéos TikTok sur les autres réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter, tout ce que vous voulez. Donc pour le faire aussi, c'est toujours le bouton partager qui va nous permettre de le faire. Et donc là, on a WhatsApp, Facebook, Story, Instagram ou Snapchat, messages et autres. Donc tout ce que vous voulez, ça est là. Donc là, vous aurez comme occasion que dès lors que quelqu'un va voir votre publication ou bien le lien de votre publication sur les autres réseaux sociaux, il va donc revenir sur TikTok et voir vos propres publications et ça va vous booster. Le dixième et dernière astuce donc dans cette vidéo, c'est comment vous pouvez supprimer votre compte TikTok. On ne le souhaite pas donc, mais ça peut arriver dans certains cas où vous en avez plus besoin ou bien qu'il y a d'autres raisons qui font que vous voulez supprimer votre compte. Donc pour le faire, vous allez sur les trois points superposés verticalement en haut et ensuite allez sur gérer mon compte et enfin allez sur en bas là où on a mis supprimer le compte. Donc c'est juste en bas et ensuite suivre les procédures de suppression. C'est pas du tout compliqué. Voilà, donc c'est ça.